Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 1er juin 2021, direction l'hippodrome de Strasbourg pour le prix de la musique, quatrième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce tournoi concouru sous la formule handicap, une fois encore, il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons. Sur le parcours des 3000 mètres de la piste en gazon de Strasbourg, difficile de savoir avant coup quelle tactique sera la bonne à adopter. Une chose est sûre, il pourrait y avoir des surprises à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 9, Miltop. Ce pensionnaire du très en forme Jérôme Régnier sera monté par le non moins en forme Gérald Mossé, qui truste les succès actuellement. D'une belle régularité depuis le début de l'année, il mériterait de renouer avec le succès. En deuxième choix, le numéro 1, Transatlantique. Pour ses débuts dans les handicaps, associé à Théo Bachelot, ce Hongre de 4 ans, fils de Le Havre, entraîné par Michael Mescam, peut confirmer sa récente victoire obtenue du côté de Saint-Cloud. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Glory Days. Norbert Linders l'aime beaucoup et l'aime énormément sur longue distance. Avec l'aide de Grégory Benoît aujourd'hui, il peut ne pas taper loin. En quatrième position viendra le numéro 4, Grand Geste. Il vient de gagner à la mode sur l'hippodrome de Chantilly et a logiquement été pénalisé par le handicapeur. En valeur 37 désormais, il peut aller plus vite que lui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Palus Argenteus. Christophe Escuder n'est pas homme à se déplacer en province loin de ses bases s'il ne détient pas une première chance théorique selon lui. Logiquement, sur la foi de sa deuxième place récente, il peut espérer gagner cette compétition. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 12, Anecdotique. En pleine bourre, à l'heure actuelle et restant sur un plaisant succès, il peut confirmer malgré une opposition plus relevée cette fois. En avant-dernier choix, le numéro 13, God Touch. Cette femelle de 4 ans entraînée par Édouard Montfort effectue le déplacement avec de hautes ambitions aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Just Formality. Associé pour la circonstance à Alex Roussel, si les pistes venaient à s'assouplir, alors il pourrait faire du dégât dans la phase finale. En cas de non partant, le numéro 14, As des Flandres, supplémenté pour la circonstance, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, Turf Sélection. Par exemple, hier dimanche, c'est hors de plus de 167 euros par an. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.